Et alors là, comment vous dire, là on est dans une serre magnifique aussi. Des petits détails. Voilà. On atteint la perfection hein, sur ces présentations. Ah, super, super. Il n'y a que ce mot-là qui revient. Hein. C'est un érable jaune. Pour la c'est parti. Ouais, ouais. En fait, ça on ne connaît pas en France, ça. Ben, c'est rare les érables jaunes. Hein. C'est-à-dire qu'en voilà, en automne, ça donne cette couleur-là, mais on, je ne sais pas si on verra la vidéo, mais là, il est vraiment sur la fin. C'est-à-dire que là, il suffit de toucher pour que le feuille tombe. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et il va être effeuillé dès que le mont partira à la Taïkantée, il va être effeuillé complètement. D'accord. Donc, tu as ce gisard-là. Oui. C'est la première masterpiece. En fait, au Japon, tu as un certificat qui s'appelle le Prime Minister. Ouais. D'accord. Qui récompense les maîtres de bonsaï. Et ça, c'est le premier Prime Minister du maître. D'accord. Donc, c'est une pièce. C'est son arbre signature. C'est son arbre signature, d'accord. L'arbre signature du maître. Bah, c'est une vieille. Tu peux mettre autant que tu veux, il ne vendra pas. Non mais non, en fait, non. Le mieux c'est de l'observer ici. Ah, de toute façon. De toute façon, je crois qu'il est à l'endroit approprié. Oui, hein. Magnifique. Ça c'est beau aussi. Ça c'est un shojubai. Quand vous savez à quelle vitesse ça pousse ça. Quand vous savez à quelle vitesse ça pousse, vous vous dites là, mais là c'est un truc de dingue quoi, parce qu'il est dense. Ah, masterpiece, kofu. Ah ouais. En fait, c'est difficile à filmer par contre, ça, parce que c'est tellement dense que du coup on peut pas voir. C'est très difficile à apprécier. Regardez, je vais le filmer par en dessus, je crois que c'est le mieux. Très vieux. Très très vieux. T'as vu le petit homme de Chine en forme modèle. Il est beau le comme Komitsugaï. C'est pas en Chine, c'est un Zerkova. Komitsuga, ouais. C'est un Tsuga. D'accord. C'est de la famille des pins. Ouais. C'est de la famille des pins. Ah oui, c'est un... Bizarrement, ça ressemble à... Il y en a qui pourraient dire un nif avec des aiguilles encore plus courtes, mais bizarrement, c'est la famille des pins. Et ils appellent ça un tsuga, mais ça pousse qu'ici, quoi. Oui, en Europe, je crois pas qu'on ait. Hein, eux, là, l'appellation, c'est kometsuga. Kometsuga. Ouais, mais c'est un tsuga. Ok, tsuga ou c'est kometsuga. Une espèce qui est super, qui est super intéressante, mais... chez nous, ça pousse bien. J'ai deux, trois copains qui en ont, et... ça, ouais. Super dense. Ça rend bien. Hein. Ah oui, ça rend bien. Et ça a toujours un côté un peu sauvage, comme le les omatsu, tu vois. Mmh. Ça a toujours ce côté un peu brut. Ouais, sauvage, brut, côté un peu mystique. Quoi. C'est un art, tu vois toujours un peu la brume derrière. T'as toujours cette sensation qui va sortir, qui va émerger derrière un piton rocheux ou tu vois. Ouais, ouais. Bon, attends, je vais prendre un poté. Wow. Karim, Cogni acide de Chine. Cogni acide de Chine, ok. Donc, qui a gagné la Kokufu il Voilà. Y a 2 ans maintenant. Regardez cette structure aussi. Ça, c'est beau. Hein. J'adore en plus l'association. Moi, j'aime beaucoup les couleurs toujours complémentaires avec le pot. Ça sort, c'est super. Un ordre d'idée de la taille, parce que là, on est sur un très très grand arbre. En fait, on se rend. Ce qui est assez difficile, c'est d'avoir en photo, en vidéo, d'avoir une appréhension sur les proportions ou la dimension de l'arbre. Exactement. Très très compliqué. Là, ça va écraser un petit peu, mais je vous montre quand même la base de cet arbre magnifique. Oh, ici, on a un érable. Oh là là, cette base de fou, de fou, de fou. Oh là là. Regardez ça, c'est un disque. Oh. C'est magnifique. Magnifique. Yamamomiji. Beaucoup de shoin ici. Chez nous, on a la également.
Picea de montagne. Okay. Et alors là, on arrive sur un Picea. Picea, ouais. Oh là là, cette pièce. En japonais, c'est plus facile. On est à quoi? Nebari 40, 50. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la taille. Voilà. Un bon 40, 50. Ouais, un bon 50, si on découvre la mousse, peut-être, de chaque côté. Peut-être un bon 55, même. C'est énorme, énorme. Oh là 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 là. Oh, la structure à l'intérieur de cet arbre aussi. Oh, on pourrait rester des heures là, regarder, observer les bois. Hein. Celui-là aussi. Celui-là, celui-là, il est là, il est là. Il bougera pas. Celui-là, on le laisse là. Ouais, celui-là, il bougera pas. Là. Voilà, c'est un des probablement le meilleur Shishigashira du Japon. Ah oui, ouais, oui, le oui, meilleur. Ici? Oui. Ouais. Le meilleur Shishigashira du Japon. Et toujours pareil, si tu veux. Je t'aide, hein, si tu veux donner un ordre d'idée de dimension. Vas-y, Alex, vas-y. Pour tes clients. Ah, ouais, le Nebari, il va jusqu'à là-bas. Voilà, quoi. On ne voit pas bien parce que ça là, il y a combien, des... 50-60. Ah oui, oui, oui. Nebari, 65. Ouais, 65. C'est facile. Il faut bien imaginer qu'on l'a rempoté aussi cette année, lui, d'accord? Ok. Et quand on l'a rempoté, on a pu enlever que cette dimension-là. Au niveau, un doigt, quoi. Un doigt et demi, presque, sur toute la périphérie. Et ça, Manu, si je ne me trompe pas, c'est pour les moustiques, hein? Ou ouais, c'est pour les mouches. Ah, les petites mouches, les mochis. C'est ça. Hein, les petites mouches qui percent le bois et qui font mourir les branches. Ah, d'accord. Ça, c'est un anti-impulsif. Un répulsif. Voilà. Ah, c'est pour ça que vous avez ça qui sont pendus aux branches. Magnifique. Un petit peu en contre-plongée et en contre-jour. Du coup, je me mets un peu sur le côté pour que vous puissiez admirer. C'est un arbre vraiment unique. Hein. C'est haut de gamme. Hein, okay. Tu as du gyozan, c'est du très... Y a très bon pot. Là. Très, très bon pot. Là, c'est du très bon pot. D'accord. Qu'on peut potentiellement utiliser pour la partie vente. La partie de la cocofou. D'accord. D'accord. Okay. Voilà, c'est très, très bon pot. Très, très bon pot. Et après, sur le côté là, on avait du bon pot. Oui, des bons pots. D'accord. Ça, ici, là. Des bons pots. Avec des beaux arbres aussi. Et enfin, de l'autre côté, vous avez encore une autre rangée comme ça, de pots moyens. D'accord, ok. Voilà. Ici, c'est des beaux pots. C'est des bons pots. Oui. Alors, quand on vous parle de bons pots, et puis en plus, ils sont très grands. Hein. Ce sont des très grands pots, hein. des poteries exceptionnelles. Regardez les couleurs. Les céramiques, ça, c'est pareil, c'est des images. Oui. C'est le roulement de stock un peu, enfin plus ou moins. Non, c'est la zone de culture. D'accord. La zone de culture, d'accord. Les arbres qui sont exposés, travaillés, mis en valeur. Ouais. Et après, on a la zone où on les sert de culture. D'accord. Donc ici, c'est plutôt la serre pour les feuillus. Ouais. Donc tout ce que tu as en feuillu. Ok. Oh là là. Cerisier et compagnie. C'est... Je baille encore. Oh, regardez ça. C'est exceptionnel. Alors là, là, le public ne rentre pas, d'accord. Là, c'est exceptionnel pour Nejikan Bonsai, encore une fois, de pouvoir observer ces pièces. Donc tu vois, voilà, on change quand même de... Là, on est sur une un peu moins ouvert, espacé. Oh, on est plus dans le côté nurserie. Là, on fait... c'est de la culture. On les bichonne, on les entretient. Hein, on vient les travailler. Sur les arbres, sur certains, tu vois, ils sont dans des pots de culture. Oui, ouais, pas tout dans à des fait. Pots de rotation, hein. Bien sûr. Même dans les caisses en bois, d'ailleurs. oui, tout à fait. Donc ensuite, je vous montre. Un petit peu visité. Donc ici c'est les feuillus. Ouais. Après vous avez aussi cette serre. Jusqu'à l'année dernière on utilisait comme serre, je sais pas comment on dit en français, mais en fait c'était une serre qui était isolée, où on gardait les arbres pour les grandes expositions. D'accord. Le maître a dit non, on va changer de on a une plus grande serre maintenant. Ouais. Donc ici on a refait ce qu'on avait fait pour la Taïkanten l'année dernière. D'accord. Avec des présentations sur roche. Sur roche. Voilà. D'accord. On a un pied là qui est un peu. La base est commencée. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est une ancienne. Ben, maintenant on utilise un peu pour présenter les arbres. Je trouve que c'est à la fois léger
Ça fait rêver des pierres comme ça. C'est ici qu'elle est. Ça, tu sais. Il va le confirmer normalement, mais c'est ici. Tout ça, c'est nous qui avons fait. Ça, c'est ça. Les pierres, on les a faites. Hein. Et je peux te dire que on les a faites un peu dans le rush. Parce qu'il y a un mois de la Taïkanten, le mec, il dit ah, j'ai une idée. Ah ouais, ouais. J'ai une idée, on va faire quelque chose. C'est mal quand ça sort en général. C'est oh, que... merde. Oh merde, on a une idée dans la nuit. On va faire un truc moderne qui se rapproche de. Vous connaissez le film là, Avatar. Et là, on se regarde. D'accord, oui. Ouais, oui. Why okay. Not Avatar, voilà. Why not? Eh oui. Ah oui, fantastique quoi. Fantastique. Les explications, c'est toujours très important, les explications, lorsque on fait des créations. Et le maître, il a toujours quelques idées de présentation. Beaucoup d'armes dans le travail. Alors ici, on est quand même à un endroit assez exceptionnel, c'est carrément l'atelier. C'est l'atelier de rempotage. C'est vraiment une pièce particulière. Tu nous expliques un petit peu, Manu ? En fait, les armes... Justement, voilà, on utilise cette espace pour stocker, temporiser. Ouais. Là, on en a ici, ouais. Sur le premier plan de travail. D'accord. Donc là, on a décalé parce qu'il y a un arbre qu'on a posé, mais généralement, il y a cette petite table qui tourne. D'accord. Donc ici, en fait, les arbres sont dépotés. On les ressort du pot. Ouais. Ok. Oui. Donc là, les substrats tombent. Le substrat tombe directement ici, dans hein. Une, ouais, d'accord. Une brouette. En fait, on peut s'apercevoir qu'au sol, il n'y a pas de terre. Tout est dans la brouette. Si un jour vous nous voyez travailler, il y a toujours un apprenti qui est en train de nettoyer. D'accord. C'est mon bibi. Qui nettoie. Pour le moment. Il faut que ce soit propre en permanence. Ouais, pour le moment, je suis le dernier arrivé. Donc, voilà, oui, ça tourne. Hein ouais, ça d'accord, tourne. On est d'accord. Un jour, je serai sympa et je serai là. Bon, ouais. Après, ici, c'est l'endroit où on met dans le nouveau pot. D'accord. Donc, on prépare le... C'est presque une table d'opération, quoi. Hein. On est sur ça. Hein. Ouais. Ensuite, ici, on a l'endroit où on prépare les pots, en fait. D'accord. Donc, la préparation avec le fil, les petites grilles, ça, et puis les ciseaux, les petits outils. Et regardez, hein, c'est bien rangé également. Ensuite, les pots. Le choix des pots. Ici, c'est une pièce où le maître entrepose les pots qu'on utilise pour les très grandes expositions, donc la Coco Fouten et la Taïkanten. Oh. Ce sont des pots exceptionnels ici. Pots exceptionnels. Tu m'autorises à faire un pas dedans ? Oui, vas-y. Avec mes chaussures ? Tu peux entrer avec tes chaussures. Oh là 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 là. Là, je suis dans une pièce exceptionnelle. C'est que des pots antiques ici. Oh là là. Des petits, des moyens, des gros. C'est un régal. C'est un... Waouh. Donc le maître choisit un pot ici. Ouais. Donc quand arrive le moment où on doit travailler, rempoter les arbres pour la Coco Fou. Ok. Il choisit le pot ici. Il nous donne le pot. On le prépare donc sur la petite table à l'extérieur. Oui. Ok. Et ok. Ensuite, et après tu as donc... Je te suis. Vas-y. Pas de problème. Et donc là, on a fini le rempotage. Ouais. On le transfère dans la zone d'arrosage. Ok. Et bien sûr, il y a une goulotte qui est prévue pour l'évacuation de l'eau. Tout à fait. Voilà, robinetterie bien entendu. Tout est bien rangé, encore une fois, regardez. Tout est suspendu. Chiffon pour nettoyer les pots. Chiffon et même... Qu'est-ce que c'est que cette bombe-là ? Ça, c'est au cas où il y a du feu. Ah, d'accord, un extincteur, tout est prévu. Petit, quoi, hein. Extincteur. Petit extincteur. J'ai une petite d'accord. Question. Tout à fait. Cette roche-là. Ah, on l'a faite. On l'a naturelle. Et vous l'avez. Elle a été insérée dans l'arbre. Ouais, si tu veux. C'est ça. Ouais. En fait, cet arbre-là, avant, il y avait un gros trou à la base, dans le baril. D'accord. Sur cette partie-là, en fait, c'est un mix entre des roches, des vraies roches. Et une partie qu'on a créée. D'accord. Voilà. Pour en combler réalité, en fait, le trou et corriger le nébari, en quelque sorte. Exactement. Là, il y a deux utilités à la création de cette roche-là dans le nébari. C'est que l'arbre était très instable au niveau du système racinaire, c'est-à-dire qu'il bougeait. D'ailleurs, vous voyez encore, il y a une cale dessous. Une cale pour maintenir. Mmh. Du coup, on a créé cette roche-là pour aussi
et ben, stabiliser l'arbre ensemble. Et on a retravaillé aussi sur l'accroche dans le pot. C'est compliqué. Mais voilà. Bon. Donc, voilà. Si cette roche, elle descend jusqu'au fond et elle est accrochée ou elle, même pas? Elle descend un peu sur 5 cm. Et vous en êtes servi pour accrocher l'arbre aussi, ouais. Ah ouais. C'est une super idée. Très bonne idée. Hein. Mm-hmm. C'est une super idée. L'essentiel, c'est que ce soit harmonieux. Il faut que ce soit beau. Hein. Voilà. Ouais, il faut que c'est ça aille. C'est le principal. Il faut que ça ait l'air naturel, que ce soit harmonieux. Après, peu importe la façon de faire ou la méthode utilisée, tant que tu as l'impression que cet arbre et la main de l'homme l'a pas touché. Voilà, c'est exactement ça. Mm-hmm. Mais c'est une astuce qui est géniale. Moi, j'ai un arbre qui bouge. Ça te permet de, voilà, de pouvoir... Je pars ici dire. Avec deux astuces que j'ai pris quand même dans celle-là. Donc, c'est quelque chose d'énorme, ça. Mm. Oui, parce que si tu fixes la roche à l'arbre, après tu fixes la pierre aussi, tu peux la tenir par en dessous, tu peux la visser, bah, en fait, mettre un tirant. Sur cet arbre-là, en fait, t'as un creux là, et on a utilisé un tirant qui va à l'intérieur. Qui remonte aussi ici pour faire le squelette de la roche, d'accord, et on a utilisé le tirant pour fixer. Alors la matière que vous prenez pour créer cette roche, du ciment c'est armé, vous l'armez? Ouais, c'est armé dedans, armé dans la nature, hein. d'accord. C'est quoi, c'est un grillage ou c'est des morceaux de ferraille? Tu as à l'intérieur, tu as des petits tubes. J'allais dire en quoi on allume, je sais même pas c'est quoi la matière. C'est un peu fort, quoi. C'est pas vraiment du l'aluminium, je suis pas sûr. Bon, c'est une tige en fer, c'est-à-dire qu'on plie, qu'on tord, sur laquelle on veut donner une préforme au squelette. Okay. Ensuite, tout le contour, on utilise un grillage en aluminium. Ok. Peut-être du fer, je me suis jamais. C'est plutôt du fer. C'est du grillage à poule. C'est du grillage, un petit grillage à poule à fin. C'est du fer galvanisé. On travaille. Oui, vous le malaxez pour donner une forme. Pour donner une forme. Et ensuite, on balance du ciment à l'intérieur et surtout le contour. Combien d'heures de travail pour faire ça? Une journée. Et à trois personnes. La couleur, Une journée japonaise. Une journée japonaise, elle commence à quelle heure, la journée japonaise? On a commencé assez tard, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé vers 10h le matin, on a fini vers 19h le soir. À 3, d'accord. À 3, c'est important. Hein. Oui, c'est important. Et la couleur, pour vous donner la couleur après? Ça, on a fait un petit mix de peinture. Pigment, une pigmentation dans le ciment. D'accord. Et après, sur certaines parties, on a un peu blanchi. Avec le pinceau. Exactement, et on a aussi noirci sur certaines parties. D'accord. C'est très beau. Le côté naturel de cette pierre aujourd'hui, même maintenant, là, on est à côté. Il a bien expliqué. Ça a été réalisé quand? Il y a 4 jours. Moi, je suis à côté, là, franchement, à 50 cm. 4 jours. Ça fait, on dirait, il y a 10 ans, quoi. Ah bah oui. 10, je dis 50 ans, c'est exagéré, mais il y a moins de 10 ans. Vous vous rendez compte, il y a 4 jours que cette pierre a été mise en place, quoi. Ils ont quand même pris des roches naturelles, là, et qu'ils ont incrusté dedans. C'est un mélange de tout, quoi. Non, sérieux, c'est exceptionnel, bravo. Ouais. Bon. Ben, c'est pour ça que je te dis, moi je sais comment j'étais, faisais partie des trois personnes qui ont travaillé sur ça. C'est vrai, ouais.